grandes tes enseignes, nous tous, tant que nous sommes. Je me sers d'un jardin pour instruire les hommes. Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ce mot, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau. Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.